Donc, il semblerait que mon lecteur de bande ait daigné fonctionner. Voilà, je suppose qu'il est en train de s'initialiser. J'ai demandé à Microsoft Backup de faire un backup. Donc, il doit être en train de lire le début de bande et peut-être formater des pistes ou écrire le... Il doit être en train d'écrire les directories sur la bande, en fait. Ça doit être ça. Donc, je vais voir ce que ça donne. Si ça fonctionne bien, je vais peut-être l'installer dans la MDK 6. Sinon, je vais peut-être la mettre dans le Pentium à 100 MHz. Parce que là, il faudrait que je trouve une baie pour lui ici, non? Ce serait quand même bien. Donc, voilà. Je vais laisser ça se faire. Ça va être long. Surtout que je lui ai demandé de faire une vérification pour vérifier que les données sont bonnes. Donc, il va falloir qu'il revérifie toute la bande. Donc, allez, je reprendrai ça après. Bien, donc j'ai terminé de faire le test avec la bande. Donc bon, ça a sauvegardé en 33 minutes, non, 35. Si on retire le temps d'initialisation de la bande qui était de à peu près 5 minutes, ça a pris une trentaine de minutes, disons. Donc c'est pas trop bien. Quand il a fait la vérification, il a trouvé une erreur, mais Windows 98 a craché. Je sais pas pourquoi, mais Windows 98 a extrêmement de difficultés avec ce lecteur de bande. Donc je l'ai essayé sur mon Windows 95. Par chance que j'ai un disque dur de secours en backup là, j'ai fait un Ghost avec justement hop ma disquette de Ghost et bon, grâce à ça je peux restaurer le disque dur sans problème. Là, il me reste plus qu'à bidouiller ma disquette d'installation. D'ailleurs, ma carte, c'est quoi? C'est du Intel. Je peux faire une disquette de boot DOS avec. Parce qu'il y a une carte réseau Intel, là, vu que j'ai presque uniquement des cartes Intel. Je sais même pas si ça supporte le PX, cette carte-là. Faudrait que je regarde. Donc, voilà. En espérant que vous avez apprécié cette vidéo, je crois pas que le lecteur de bande sera un jour sur la MDK 6, mais peut-être sur le Pentium à 100 MHz. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo, et à la prochaine.